Le schéma dans lequel nous sommes, c'est que lorsque vous avez fait la licence se fait en 6 semestres, et vous faites vos évaluations, l'établissement fait l'évaluation normale à partir des 190 crédits qu'ils doivent avoir. Ils ont le diplôme, la licence de l'établissement. Et nous allons faire composer les étudiants dans 3 épreuves, ce qui est différent de 3 matières. Ça veut dire que c'est des épreuves qui seront composées de matières. Donc l'étudiant d'avance ne sait pas dans quelle matière il doit composer et pour valider ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas vous présenter à l'examen d'État si vous n'avez pas fini votre licence nationale, votre licence de l'établissement. Donc l'un ne remplace pas l'autre. Vous finissez votre licence en contrôle continu. Et à la fin, vous avez la licence de l'établissement. Mais maintenant, si vous avez envie d'aller pour les examens d'État, vous allez composer dans des épreuves qui ne sont pas des matières. Et lorsque vous avez réussi, quand l'État ouvre un concours, vous allez pouvoir compétir. Mais dans le cas où vous ne voulez pas aller chez l'État faire, parce que tout le monde ne peut pas aller dans le public. Si vous ne voulez pas, vous ne faites pas l'examen, vous restez chez vous, mais vous ne pouvez plus reprocher à l'État de ne vous avoir pas offert la possibilité de venir compétir à l'examen. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à mes collègues qui ont parlé.